Visite de la grotte de Coroluna, connue depuis très longtemps, la cavité a reçu la première visite recensée du SCA le 25 février 1962 en compagnie de membres de la SSP. C'est une galerie fossile horizontale de belles dimensions, fortement concrétionnée. À une quarantaine de mètres de l'entrée se trouve un conduit latéral menant sur des petits puits colmatés à moins 21 mètres. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Non mais sérieux ? Ouais. Voilà, vas-y. Coucou ! Quoi ? Tu veux te faire remarquer ? Non. Qu'est-ce qui va passer ? Tu bloques ton pied en bas un peu et puis voilà. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu demandais. Pour le moment, rien. Tu veux que j'en aille ? En nos pots. Ouais. Ah, mais c'est bon, non ? Attends. C'est toi, vas-y. C'est une première pour moi, ça. Vas-y. T'es déjà allé à Daniel ? Je suis pas monté. Après, c'est pas la prochaine ? Ouais. Suivant, tu m'éclaires pas trop à moi, hein. Merci.
On l'a agrandi depuis. C'est là qu'il y a pas mal de. Là, il y a pas mal d'écritures, notamment. Des trucs qui sont anciens, là, tu vois, 1903. Ah ouais. Des trucs un peu anciens. Et on sourit quand on sort. Elle est bien la suite. Ah, oh, elle est incroyable. Ça va loin, on a plus faire. Attends, j'ai un cul qui passe pas là. Ah, va faire régime, hein. Attends, j'ai un petit cul. Moi, je fais avec mes couilles. Tu fais avec quoi? Je pousse pas avec les pieds. Par contre, tu peux te tenir à l'échelle, par contre. Hein. Ça, c'est mieux, ouais. Tu auras une prise au moins qui est sûre. Hein. Bon, il y a un endroit où il y a de l'eau, sinon... Voilà. Si je refais, je t'en apporte. Je les oublie. Mais sinon, elles sont chez moi sur la table. Ouais. Ils sont bien. Avec les gants. Ouais. Grotte de l'émetteur. Là. Il y a tout la côte. Voilà, ici, ouais. Il y a tous les voisins à Daniel qui viennent ici. Hein? Bon, ouais. Bah, c'est juste une page de l'air. Tu les gants. Oh, il y a des courants d'air. Et ouais. Là, je vais remettre le casque là parce que il y a du danger dessus la tête. J'ai vu un casque passer. Oh, il y a des verres dedans, partout. Des verres ? J'arrive, j'arrive, ils veulent pas venir.
Il y a d'anciennes aragonites, mais qui sont séchées en fait. Ça fait longtemps qu'il ne doit plus y en avoir, ouais. Ça a stagné là. Ça fait un moment qu'il n'y a personne qui est venu, je pense.